100. Ko Mauritani kɛlen bɛ ko ka taga matériel militaire caman de san, sɔrasi minan caman sanni don, k'u bɛ k'u mobiliser ka démonstration de force kɛ en même temps k'u bɛ ka taga u ni Mali frontière la. Malien si kana jɔrɔ foyi foyi tɛ malien. Mɔgɔ caman ci ne ma k'u jatigɛlen don. Aya hakili sigi. Mun ye Mali sɔrasiw ka côté ta fanfɛla ye? Ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ. Mun ye sɔrasiw ka côté ta fanfɛla ye? En tant que Sadio Camara ye Mali ministre de la défense ye, aya da ka sinɔgɔ, baara banna. Malien baara bannen don pewu. Mauritani fɛnw san dɛ, drone de reconnaissance b'a la, fɛn bɛɛ b'a la. O ye information fɔlɔfɔlɔ mɛ n b'aw hakili sigi n'o ye, aw kana jɔrɔ. Mɔgɔ caman ye n wele k'u siran don, nka aw kana siran. Mali armée, l'armée malienne monte en puissance. Oui, quelle est l'information flanée, monsieur? Oui, bonne nouvelle de dé. Ko malien, ko chinois, ko le ministre de la défense, général Modi, Niger ministre de la défense, général Modi, aywa ko général Modi, malien, ka voyager à kata Chine. Ko chinois, fanabe, qu'il a ben, koubena na Niger demain. Chinois, ka minan, chinois, ka surasu, ou bébé sarala kana koubena na Niger demain. Malien, ni Niger ministre de la défense, dit. General Modi, Bazoum ya moun nanam ko abe fani Malika Barake ni Bazoum ya genga boui, kabda ambassadere la, ode flene ko General Modi, a photo flana fna flenta, awa katara Chine, Malian atara Chine, ani Chinois abe kanyoga, nyambe tla ko fna video ida wala, bi video kadide, Malian nye information sabana mou fana sura tukuni, ko Français ou de wuleme Macron non fe bi, Malian, ça chauffe. Ça chauffe en France. En mettant là qu'au vidéo il y a là. Comme Macron a qu'au bana. Quand le 9 juin, hier le 9 juin était maintenant. Quand on a qu'à partir du 9 juin, comme Macron a qu'au des bana. Pép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 
confrontés souvent à des incursions mercenaires Wagner, recrutés par la junte militaire au Mali, qui menace des citoyens mauritaniens. Plusieurs incidents ont été dénoncés par le gouvernement de la République mauritanienne. Voilà, ou même bloqué là, ni mouye tchè, aucun assez malima. Sans nos camarades tarahigila, ana mousso tarahigila, malien beki daga si droit qu'elle était. Fate mourola, beni imine tchoko de dou. Mauritanie tena foi, qu'elle est foi blanc malila, wallah ine de afonina. Mauritanie présent ere, élection n'y a qu'on la ina, jorolé ma canata, élection perdi, a kelemé kaga, a ka force armée bebla, alerte la. Nouakchott, capitale konana, parce qu'il y a ka opposant, il paraît que ko, Mauritanie n'a ko élection mena ke Mauritanie. A jat kelembe, a tesonga kelewuli. Na kele wuli maliyan hey irisu ka sorasi banani nebe mali kono mesiki kumaniga irisu ka sorasi banani nebe mali dugukuluka avec des forces spéciales russes tia mali mana mana armée nte dembo fanyana bide ko be ay joro ko be la mali kono mais mouye armée man côté ta fanfela ya en tant que sado camarade défensif là maliyan beki daga sinoko wallahi foyti hali chete ba fanka anyo taromi ambo blai mali anya information flana musro Namero nyafonyana ko chinois fait ko général Modi noyé le ministre de la défense du Niger général Modi mali atara chinois fait ko chinois fona benana demeke et dugunya to borangono Nigeria ango au vidéo la djefolo a permis un commentaire kaka cette visite du ministre d'état ministre de la défense nationale le général de corps d'armée Salif Modi en République populaire de Chine s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la défense. Elle a été marquée par des entretiens bilatéraux, des visites des industries de la défense et du secteur du pétrole et la visite du corps de production agricole et de construction de Xinjiang situé dans le nord-ouest de la Chine. S'agissant des rencontres bilatérales, la délégation nigérienne a été reçue au ministère de la Défense nationale chinoise où elle a échangé avec les plus hauts responsables du ministère sur le renforcement de la coopération militaire entre nos deux pays. Une coopération pleine de vitalité, jalousement entretenue par les deux armées qui, comme l'a rappelé le général Yao Jin, représentant du ministre de la Défense de la République populaire de Chine, constitue une composante essentielle des relations entre le Niger et la Chine. Les échanges se sont ensuite poursuivis au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, où le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et sa délégation ont été reçus par le vice-ministre en charge des Affaires étrangères, son Excellence Chen Xiandong. Au cours de leur entretien, les deux délégations ont fait le point de la coopération entre le Niger et la Chine. Elles ont évoqué plusieurs sujets brûlants de l'heure et ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération multisectorielle. Le vice-ministre en charge des Affaires étrangères a salué par la suite et félicité les efforts du gouvernement nigérien pour les initiatives développées pour briser l'isolement et le blocus qui ont été imposés au Niger au lendemain de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir. Après ces rencontres officielles, la délégation du ministère de la Défense nationale a effectué une série de visites des industries de production de la défense et du secteur du pétrole, dont la China National Aero Technology Import and Export Corporation, CATIC, la China National Petroleum Corporation, CNPC, la Polytechnology, la China North Industry Group Corporation, Norenco, la CICING et la Beijing Défense. La délégation s'est également rendue à Ürümqi le mercredi 5 juin 2024 pour visiter la 8e division du corps d'armée de production agricole et de construction de Xinjiang, ville de Xinzi. Ici, l'objectif est de s'enquérir de l'expérience chinoise dans le domaine de production agricole et d'ouvrage d'intérêt communautaire durable pour impulser davantage la marche inexorable de notre pays vers l'affirmation de sa souveraineté qui passe par l'autosuffisance alimentaire, la sécurité des populations nigériennes et leur bien-être. La philosophie fondatrice des unités militaires de production agricole du Xinjiang et l'esprit de ses pères fondateurs demeurent un modèle fortement inspirant pour notre pays qui est majoritairement désertique. Cette expertise chinoise peut faciliter la transformation de nos terres arides en zones de culture viable. Une telle initiative
créera de l'emploi pour occuper les jeunes désœuvrés, les éloigner de la tentation et ou d'appât de groupes terroristes, leur donnera le sentiment d'appartenir à une communauté qui se soucie de leur avenir et de faire d'eux des citoyens responsables. La visite de travail du ministre d'État, ministre de la Défense nationale en République populaire de Chine, s'est terminée sur une note de satisfaction. Voilà. Abela Djeléa Issan. Barabana Peu, Niger et Baraban Peu, 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 Peu. Maléo Irisou B, Chinois B, Tricou B, Bédé B, Kanani de Maybi. Eh, Francis Kakobana. Maléo Rotemenko Fekabala. Anyameko, incident d'Okera Burkina Faso. Incident d'Okera Burkina Faso. Malien amena au robot kouira la foi make malien beki daga sinro. Tout va très bien au Burkina Faso. Ma met la ko vidéo bla kof la. Malien ka wou souleme Macron ko de Macron. Français de wouleme Macron contre la bi. Eh, malien Macron ko bana. Ni a mali kala dora la bi danga di. Anga Macron, bourujali mbeka da Macron ka bi anga djekou la mefolo. Yes. C'est bien élargi, on va continuer. Donc après le 9, on poursuit. Le mardi, nous, on sera à l'Assemblée nationale. Voilà. Je ne crois pas qu'on va renoncer à porter les couleurs de la Palestine et de la paix. Voilà. Waouh. Wow. C'est ça pour les élections. Ils nous sous-estiment. S'ils pensent qu'on est comme eux, des électoralistes et des opportunistes. Nous, on porte chevillé au corps le combat pour la paix et pour l'égalité dans le monde. L'Union populaire permet désormais d'avoir à côté de nous les militants insoumis plus anciens, des gens qui sont entrés dedans et qui n'en sortiront plus. Parce que désormais, ils savent que c'est par la lutte qu'on gagne. Et c'est ce qui va se passer dimanche. Quand ils vont voir les résultats. Voilà. Barabana Peu. Malion Beu Lebe Makoro. Eh, Makoro Djelimaka Gobi, ko Wulumisoni Bobi. Eh, Makoro Djelimaka Gobi, Malion. Makoro Djelimaka Gobi, ko Wulumisoni Bobi. Makoro Ngako Bana. Malion. Eh. Burkina Faso ou ko yaro beu le même Macron contre la bi Malien a élection perdu Macron a élection perdu patriote mounou yere be fait mounou met dounon fait mounou même Malien fait Francis gade mounou même Malien fait be Burkina be fait de ol de be ka fanga soro Francis bi ne ma fo na nga Francis bet en contre la Malien me ka mou fo ngena ha nou ol de be ka fanga soro Marine Le Pen ta ou autre chose mais me mou fo ngena mou les vrais nationalistes ol de be ka na. Mais Marine Le Pen commande au Kosovo de parce qu'elle est en fait. Même d'ailleurs côté d'homme comme nous mettons force sous sur aller faire la crève. Donc olou imamakou on veut pas de racisme en France. Denis Borakafo. Donc moi nous sommes français nous mettons frafou sege. Nous n'allons pas faire un choix. Olu de mettons fanga perdre français Colombie. Malien comment couvrir contre les gens yodi. Allah yanga kelle que quoi. Eh chougala de mettons encore bien malien chougala. Chou, ou y'a malien fait faire mali corona, ou y'a la souraci fait faire ou choukere de oulema Macron non febi. Ah, Macron, tinen koubeda et dade, c'est fini pour Macron. Malien, amena do vidéo côté la bana au euro du mengi. Malien, ou y'a galon te kako Burkina Faso, ko problème de problème te Burkina de, y'a pas de problème au Burkina Faso. Tout va bien, an an yor la mefolo. Ce mercredi 12 juin 2024, aux environs de 15h, un incident de tir a eu lieu à proximité de la cour de la RTB Télévision. Le projectile est malheureusement tombé dans l'enceinte de la télévision nationale, causant deux blessés légers rapidement pris en charge par le service de santé de la présidence et libéré. Cet incident a également causé des dégâts, notamment sur quelques véhicules et engins stationnés dans la cour, comme vous le voyez sur les images. Une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rendu visite aux blessés avant d'aller constater les faits et encourager les équipes sur place. Donc tout va bien. Il y a juste un incident. Ça peut se passer n'importe où, n'importe quand aussi. Donc vraiment, tout va bien au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le pays des hommes intègres.